Appear. Donc, on a démontré que A est égal à P égale l'ensemble. Alors, maintenant, pour le substitut, qu'est-ce qu'on va supposer? Alors, pour le substitut, on va supposer que A égale à P égale l'ensemble. Donc, dans ce cas, on fait que A delta B. A delta B, ça va être égal à quoi? Normalement, c'est A union P moins A inter P. Donc, A union P, c'est quoi? Si A est égal à P, c'est égal à l'ensemble de P. C'est l'ensemble de P. Et A inter P, c'est l'ensemble de P. C'est égal à l'ensemble de P. Et A inter P, et ça, c'est exactement A peut faire inter P. D'accord? Nous, l'équivalence. Alors, on fait autre chose. On fait par exemple A delta B est égal à A delta C, ça équivaut que B égale à C. Donc, ça c'est on fait par exemple A delta B est égal à A delta C. A delta B est égal à A delta C, ça équivaut que B égale à C. On va faire une autre proposition. Alors, pour le sens réciproque, si B égale à C, c'est évident, n'est-ce pas? Si B égale à C, je pense qu'on a un A delta B égale à delta B. Donc, si B est égal à C, A delta B ça va être égal à A delta B. Et ça, c'est C. D'accord? Donc, pour le sens réciproque, c'est évident. On peut dire que si B est égal à C, A delta B est égal à A delta C. Donc, ça, c'est exactement A delta C. D'accord? Alors, là, on peut dire que c'est évident. Maintenant, pour le sens direct. Alors, si A delta B est égal à A delta C, on demande que B est égal à C. Allez-y. Pour démontrer que B égale à C, on démontre que B égale à C. Il y aura un binôme et une caractéristique. Un binôme. Pour une double inclusion, très bien. Par double inclusion. Dans ce cas, en démontrant, on démontre que B inclut C et on démontre que C inclut dans nombre. Alors, on va commencer en montrant que B inclut dans C. On va en démontre B inclut dans C. Et puis, qu'est-ce qu'on dira? Soit X appartient à P, ou X. On va démontrer que X appartient à C. Donc, soit X appartient à P. On a deux cas. Soit X ça va appartenir à P, soit X n'appartient pas à P. Donc, il est question en P, on a deux cas. Il y a une X à ce que tu as, mais X n'appartient pas. Donc, premier cas. C'est X appartient à. Alors, dans ce cas, X appartient à quoi? C'est dans B, c'est dans A. C'est-à-dire que X appartient à quoi? Allez-y. On a pris X et P. Yeah? Premier cas, supposé qu'on a X qui détermine A. Donc, X qui détermine dans ce cas. Ça appartient à A et X appartient à B. Donc, X appartient à une unité. Par rapport à B. L'intersection liée à A. Il ne fait aucun rapport avec B. Donc, X appartient à A et B. Ça signifie que X appartient à A et X appartient à B. L'intersection, c'est une N. D'accord? X appartient à A inter B. Ça signifie que X appartient à A et X appartient à B. Alors, le fait de dire que X appartient à A inter B, qu'est-ce que je peux dire à A delta B avec X?
C'est quoi un delta P? X n'appartient pas à delta P. Très bien. X n'appartient pas à delta P. D'accord. À delta P, il y a A, il y a B, moins A inter P. Il y a une ligne. À ce moment-là, les éléments liquides à inter P. D'accord. Dans ce cas, X n'appartient pas à delta P. C'est quoi à delta P? Imaginez que ce soit A. Ça, c'est A. Ça, c'est B. D'accord. Et ça, c'est l'intersection. Et d'ailleurs, il y a une intersection A inter B. Et c'est quoi A delta B? On change la couleur. On fait par exemple la bleue. Nous disons qu'il y a une gauche. Donc cette partie-là et cette partie-là, elle est en gauche. Là, il y a A delta B. D'accord? Alors, si X est là, il y a une intersection. Alors, X n'appartient pas à A delta B. Donc, X n'appartient pas à A delta B, ça veut dire que X n'est pas. D'accord. Mais il faut qu'il y ait X n'appartient pas à la partie rouge. Mais il y a A delta B. Et on a quoi? A delta B égale à quoi? D'après. A delta C. A delta C. D'accord. X. Parce que X n'appartient pas à A delta C. X n'appartient pas à delta C. X n'appartient pas à delta C. Alors, le fait de dire que X n'appartient pas à delta C, ça signifie quoi? Alors, X est dans A. X appartient à A inter C. Très bien. Bravo. Alors, X n'appartient pas à delta C. Et puisque X est dans A, alors X appartient à A inter C. Donc, le fait de dire que X appartient à A inter B, X appartient à A et X appartient à C. Pas de parfait. X appartient à C. Et maintenant, on a l'objectif de l'eau, on a 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 l'eau. Donc, l'objectif de l'eau, c'est de l'eau, X appartient à C. Donc, voilà, d'après le premier pas, il est 4 X sur A, donc, il est extraordinaire. Donc, d'après le premier cas, si X appartient à A, alors nécessairement, X appartient à C. D'après le premier cas, on ne peut pas dire d'abord, on ne peut pas dire que P est dans C. Madame, on va traiter le deuxième cas. Et bien, ce qu'on a fait, on a démontré qu'il y a une inquiétude à interdire la écrit dans C. Et ça, ce qu'on a démontré, une inquiétude X plus A. Il y a P, il y a 15 X qui n'a pas A P, par X, il y a C. Il y a une échelle qui n'a pas A, X, il y a A inter B, inclus dans C. Mais il y a P inclus dans C. C'est bon? Donc là, on peut dire. Donc, P est passé, c'est-à-dire qu'il ne faut pas utiliser P inclus dans C. À des questions qui m'ont dit qu'à mon âge, on peut dire que P inclus dans C. Alors, le deuxième cas, X n'appartient pas à A. D'accord? Si X n'appartient pas à A, X appartient à B. Alors, X appartient à quoi? X. Il est sur A. Mais qui est sur B? C'est-à-dire, X appartient à quoi? C'est-à-dire, X a un point de nez. Mais qui est un nom de B moins A, pas un point de B moins A. Alors B moins A, qui est un B moins A? Il est inclus dans aucun ensemble. Mais A delta, donc B. A delta, et A delta B, il y a B moins A, il y a un moins B. D'accord? Et donc, puisque n'ayant un X n'appartient pas à un limite, il y a de la partie, je dis, d'accord? Il y a de la partie. Donc, il y a de la partie rouge. Le fait de dire qu'il y a de la partie rouge, il y a de la partie rouge, il y a un delta B. D'accord? Donc, X, pardon, et X appartient à B moins A, donc il y a un livre A delta B, A delta B. Alors, et donc, dans ce cas, puisque A, delta P,
c'est à une facile. De ce qu'on peut dire. Container X. Ça appartient à quoi? Un X appartient à une facile. Aussi. Très bien. À une facile. Et X n'appartient pas à. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Container X. X bien avec le C. Oui, tu me connais sur A. Non, c'est moi. Très bien. Une appartient X à partir de C. Loi A. Régulier inclus C. D'accord. Régulier inclus dans le français. C'est-à-dire que X appartient à C. Donc, d'après le deuxième cas, obtenir X appartient à C. Donc, on peut donner une C. On a dit celui au cas A. D'après A et 2, c'est-à-dire d'après les deux cas, d'après A et 2, on a si X appartient à B, alors X appartient à C. C'est bon? Qu'est-ce qu'on a démontré? On a démontré que B est dans C. Donc, par la suite, B. Elle est inclusive. Alors, maintenant, on va te montrer que B est inclusive. C'est pas autant de montrer que c'est inclusive dans B. Oui. On a démontré que B est inclusive dans C. Voilà, on démontre que. On prend une part X appartient à C. Très bien. On prend X appartient à C. Et on démontre que X appartient à B. What is it you're not? And then B is C. Rah, and you're not that one. And you mentioned that Hendy either was at the head of the bitch at C. Or Hendy was at the head of B. And I've never seen that in the States. X appartient à C, X appartient à B. And you mean Hendy are the B, are the C. And now you could just put B is C, who is not a one. Obtaining and the C are at the end of B. Et je peux échouer à la femme directement.